Bonjour à tous, j'ai la tête comme un compteur. Avec leur putain de vouvouzela, j'ai l'impression d'avoir passé la nuit avec Zaya et Ribéry. Bon, passons à la météo. Après ce match chiant comme la pluie, les défenseurs ont quand même réussi à éviter les fuites. Face à une attaque uruguayenne, il faut bien le dire, plutôt incontinente. Au milieu, l'électricité statique empêche le courant de passer entre les joueurs. Résultat, encéphalogramme plat. Il leur faudrait un bon électrochoc. En attaque, c'est les vendanges avant l'heure pour Anelka. Bien aidé, il faut le dire, par le taux de précipitation élevé qui règne sur Govou. On est loin du grand cru. Côté thermomètre, on espère malgré tout une hausse de la température avec l'arrivée des femmes des joueurs. D'ailleurs, j'invite Ramayad à venir apprécier le confort de ma chambre. Tout de suite, on prend l'appel d'un téléspectateur. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Oui, bonjour, c'est Duga 33. Oui, Duga, quelle est votre question? Mais en fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour te dire que t'étais un gros... Ah, il semblerait qu'on ait un petit problème de liaison. Allez, voyons à présent l'éphéméride. Demain, comme tous les jours, ça va être ma fête. Et vous perdrez 2 minutes d'espoir. On se donne rendez-vous mercredi 16 pour une météo complète des Bleus. Et d'ici là, je vous souhaite une bien mauvaise soirée. Envoie Mollet par SMS au 3615 et reçois ton coffret Galas. Galas, un défenseur impitoyable. Galas, tu n'as plus tes jambes de 20 ans. Dépêchez-vous, c'est probablement la dernière saison. Un événement 3615 Polyprod.